Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette séance d'enseignement-apprentissage. Aujourd'hui, on va étudier un petit texte intitulé l'anniversaire de Madou. Vous le trouvez dans la page 114 de votre manuel. C'est le module 12, journée 4. Le titre de notre thème, c'est Bonne fête. On va parler des fêtes, des anniversaires et des occasions, les belles fêtes. Voilà, on va commencer par lire le texte. Amadou fête son anniversaire avec sa famille et ses amis. Mario, Bruno et Asma offrent de beaux cadeaux à Amadou. Sur la table, il y a un grand gâteau et du jus de fraise. Regardez bien le contenu du texte, les personnages et les mots nouveaux. Amadou et ses amis chantent et dansent. Amadou souffle les 8 bougies. Les enfants chantent joyeux anniversaire à Amadou. Voilà, on va commencer par la première question qui porte sur la découverte des personnages. Outre le personnage principal Amadou, on a Asma, Bruno, Mario et la famille d'Amadou. Amadou, il est sénégalais, c'est le nouveau ami de Bruno et Asma et Mario. Regardez, voilà la première question qui parle. Quel âge a Amadou? À partir du texte, et c'est déjà mentionné, il y a 8 bougies sur le gâteau, donc je conclue que Amadou a 8 ans. Voilà la deuxième question qui renforce la première question, ajoute l'information précédemment. Il y a combien de bougies sur le gâteau? Il y a 8 bougies sur le gâteau. Voilà. La troisième question, qui sont les amis d'Amadou? Amadou a 3 amis qui viennent lui offrir des cadeaux, c'est Asma, Bruno et Mario. Voilà. Donc, regardez la question. Cette question figure sur votre cahier d'activité. Je barre ce qui est faux. Est-ce que sur la table, il y a un gâteau et du jus d'orange? Est-ce que je trouve sous la table, attention, regardez bien, sous la table, il y a un grand gâteau et du jus de fraise? Sur la table, il y a un gâteau et du jus de fraise. À partir des phrases qui figurent dans le texte, je peux identifier facilement qu'il s'agit d'un gâteau, ou bien d'un grand gâteau et du jus de fraise qui se trouve sur la table, placé sur la table. Donc, merci pour votre attention, mes enfants. Lisez bien le texte et je vous invite à lire bien et apprendre bien les mots nouveaux que vous avez, les écrire dans un petit carnet. Au revoir, les enfants.